Salut tout le monde, petite vidéo spéciale, mise à jour sur Final Fantasy XV et un petit plus qui a été rajouté dans le spécial, un sondage qui a été posé par Square Enix pour l'avenir du jeu. Donc ce sondage disponible jusqu'à fin juin 2007, pardon, influera sur le compte d'une prochaine mise à jour. Il vous suffit de choisir une réponse parmi celles proposées. Vous n'avez le droit qu'à un seul choix et ne pourrez pas en changer. Alors on va voir. Il nous propose voilà plusieurs choses. Quel nouvel élément aimeriez-vous voir intégrer au jeu? La réponse la plus fréquente fera l'objet d'une mise à jour. Et donc il nous en propose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 choses et on doit choisir une parmi les 15. Des précisions sur le passé d'Ardyn. Pourquoi pas, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est prévu un DLC sur Ardyn, donc à voir. Des précisions sur le sens des actions de Luna Freya. Ouais, pourquoi pas, mais bon. C'est vrai que en soi, elle n'est pas si présente que ça dans le jeu. Hein. Donc moi personnellement, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de choses. Si justement il nous apporte une mise à jour, je trouve pas super intéressant qu'il mette en priorité des choses sur Luna Freya. Des précisions sur ce que faisait Core. Alors Core, sans plus, surtout qu'on voit aussi, hein, on le voit dans le DLC Gladio, il nous aide à pour l'épreuve de Gilgamesh. Des précisions sur la famille royale de Lucis et ses pouvoirs. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement, sans plus. Pareil, précision sur les 6, c'est la trahison d'Ifrit. Alors moi j'aurais préféré plutôt qu'il précise, enfin qu'il propose justement la possibilité d'invoquer Bahamut et Ifrit, parce qu'on sait que pour ceux qui ont fait le jeu, Bahamut on peut l'invoquer une fois, c'est contre Ifrit, et Ifrit on peut pas l'affronter. Enfin on peut pas l'invoquer, pardon. Donc ouais, des précisions sur ce qui est devenu le monde 10 ans plus tard. Qui est devenu 10 ans plus tard. Parce que derrière on a des précisions sur les événements durant les 10 ans d'absence de Noctis. Donc des précisions sur ce qui s'est passé, ce qui est devenu le monde 10 ans plus tard. Ce serait 10 ans plus tard après la fin ou des précisions sur ce qui est devenu le monde 10 ans plus tard. Mais 10 ans plus tard après quoi? Après avoir vaincu Ardyn? Je sais pas. Des précisions par contre sur les événements durant les 10 ans d'absence de Noctis. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui seront intéressés. J'avoue que moi aussi. Parce qu'on a vite fait un résumé par le petit qui vient nous récupérer en voiture quand on revient dans le présent. Il nous fait vite fait un topo, mais on voit pas les personnages. On sait rapidement ce qu'ils ont fait pendant les 10 ans, mais sans plus quoi. Donc ça franchement oui clairement. La possibilité de contrôler Core, Aranea, Iris, Luna Freya ou Gentiana dans les combats. Alors Core, enfin les contrôler, de toute façon on contrôle toujours Noctis, donc je pense que c'est le côté aussi contrôlé dans le sens personnage de soutien. Core on l'a déjà eu, Aranea, ouais pourquoi pas, puis de toute façon il y a toujours le glitch. Qui fonctionne, je pense, pour l'avoir tout le temps dans le groupe. Iris, pour le si peu qu'elle est là, moi je crois qu'elle utilise du soin et puis elle utilise sa peluche moque pour éviter les combats aussi. Alors, par contre, site contre les Luna Freya et Gentiana, je vois pas trop. Je vois pas trop comment en fait il pourrait tourner ça. Et surtout à quel moment?
Ou alors ce serait un DLC en plus, oui, vous avez Luna Freya avec vous en mode esprit, es-tu là? Ou. Non, je. Bref, Gentiana en soi c'est Shiva, donc. Bon, moi ça m'intéresse pas trop. Mais après là, non, Luna Freya, je vois pas. Je vois pas. Parce que bon, après, elle peut être intéressante, hein, on sait pas, mais. Je trouve que c'est pas assez précis, quoi. L'atout d'un niveau de difficulté élevé. Alors moi oui peut-être comme j'ai pas fait le New Game Plus, mais c'est vrai que bah il y en a énormément, ils ont déjà poncé le jeu, ils sont déjà à niveau 120. Ça vaut pas le. Enfin c'est tard quoi, c'est beaucoup trop tard pour ajouter ça maintenant quoi. Un renforcement important des capacités des armes fantômes. Pourquoi pas, mais après moi pour le si peu que j'utilise de toute façon. Alors éventuellement peut-être ouais le malus, voire revoir le malus ou. Bon, après les armes fantômes, c'est vrai que normalement elles sont censées être. Bah censées être des armes. Des grosses armes, et pourtant c'est pas les meilleures armes du jeu. Et après l'ajout de nouveaux sorts modifiant l'état des personnages. D'ailleurs au passage c'est une image du film Kingsglaive qu'on voit. Éventuellement la magie comme ça avec le bouclier pourquoi pas. Parce que c'est vrai que bah tu dans ce jeu-là la magie en fait elle sert pas à grand-chose quoi. Bon, personnellement c'est comme ça que je l'ai trouvé à part bah, où elle devient utile c'est dans le dernier donjon extrême mais sinon la magie en soi non je trouve. La magie était. On peut largement s'en passer dans le jeu. Donc après ouais éventuellement s'ils nous rajoutent des magies intéressantes, voilà, histoire de rendre la chose plus utile, pourquoi pas. Mais clairement, ouais, parmi ces trucs-là, je pense, bah, il y aurait Pression Hardin, mais s'ils font vraiment un DLC Hardin, bah, j'aurais une tendance à me pencher sur un des deux, mais là, du coup, ils sont pas précis sur ce qui s'est passé, ce qui est devenu le monde 10 ans plus tard. Pour moi, quand ils disent ça, c'est 10 ans plus tard après que Hardin. En gros, ce serait rajouter, enfin faire une mise à jour pour nous expliquer ce qui se passe plus en détail après avoir vaincu Hardin, voir comment ils ont réussi à se remettre dans le truc. Et par contre, des précisions sur les événements durant les 10 ans d'absence de Noctis, oui, ça, franchement, oui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plaints et. C'est vrai que ça aurait été vachement intéressant qu'il nous explique plus en détail ce qui se passe là-dedans. Moi, je pense que je vais partir là-dessus. Parce que déjà, bah, celui-là est pas assez précis. Donc, moi, je pense que beaucoup vont choisir bah, ça, les événements durant les 10 ans d'absence de Noctis, quoi. En espérant que, bah, du coup, ce qu'il nous propose pendant la mise à jour soit pas juste une cinématique de 10 minutes qui puisse développer, voire peut-être même carrément rajouter une phase de gameplay, pourquoi pas. Voulez-vous envoyer cette réponse? Vous n'avez le droit qu'à un seul choix et ne pourrez pas en changer. Oui! Merci d'avoir répondu à ce sondage. La réponse la plus fréquente fera l'objet d'une mise à jour. Donc là, oui, par contre le sondage dure jusqu'à fin juin quand même. Donc avant qu'on ait la réponse, il y a le temps. Et donc ce sera tout pour cette petite vidéo. Voilà, petit sondage qui a été fait donc via la nouvelle mise à jour qui aura fait quand même 3,6 gigas. Donc éventuellement peut-être une mise à jour pour le DLC. Peut-être que on aura le DLC dès le 1er juin, on ne sait pas. J'ai pas regardé plus en détail ce qu'elle apportait cette mise à jour, mais qui nous sorte une mise à jour comme ça aussi grosse, enfin aussi grosse par rapport à celle qu'on a eue avant. À une semaine d'avoir normalement le nouveau DLC, bah ça nous indique que peut-être avec un peu de chance on aura dès le 1er juin, voire peut-être même qui sait le DLC fin mai, on sait pas. Peut-être qu'ils feront la surprise, bah, on l'a demain ou après-demain, on sait pas. Enfin bref, sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était tout pour cette petite vidéo, et donc à très vite. Salut!